le chien. On va pas dire qu'on vit à Thiers, mais que nous, on va plaisanter. Sans bouger, nous, sans bouger. On vit là. Non, c'est rien. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit vlog numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller promener en ville et peut-être aller voir l'exposition sur les fêtes au musée. Voilà, à tout de suite. Lino, casquette, lunettes. Lino, casquette, lunettes. Attends, on a... Luna, casquette, lunettes. Oui. Lino, mets ta casquette. Merci. Mais... Ah. Et casquette. Des casquettes. Oh. Mais à l'envers, on va les mettre. Non, tu la mets pas à l'envers. Luna, casse tes lunettes. Parce qu'il fait 34 degrés dehors. Il fait 34. Moi aussi. Il fait trop chaud. C'est bon, Nino? C'est prêt? Fais voir, Nino. C'est bon? Allez, ok. Et oui, nous sommes dans le sud et c'est bien l'été. Il fait 33 degrés. Là, on arrive sur l'esplanade, les arènes magnifiques. Il y a des gens qui sont en train de visiter. Donc, nous sommes arrivés à l'esplanade, donc avec les arènes derrière. Voilà, on se rafraîchit un petit peu dans la cascade là, parce qu'il fait super chaud. L'été est là. Mais si, je vous filme, mais je raconte ma vie. On est à l'esplanade. Et ça, je peux mouiller les pieds? Oui, mouille pas les pieds. Là-bas. Alors, Nino, on peut aller dans l'eau avec nos pieds. Ah oui! Ah, c'est quoi? C'est bon! C'est chaud, froid? Bon, ça réfléchit un peu. Ça rafraîchit. Ah, c'est dégueu. Mais non, c'est dans la chenille. T'as jamais cru dans une chenille? C'est
De fourmilière, le sol abrite des concombres. Attends, regarde les choses. Maman, on n'a pas le droit de passer ici. Pose-la, Bette, pose-la. Oui, maman. Attends. Oh, tu vas faire ça, regarde. Ah, il y a un scorpion dans le défi. Tourne-la pour voir, tourne. Ah, tu peux l'avoir en 3D, t'as vu? Pas mal. Comme ça, tu la trouves. Allez, Minou, à toi, vas-y. Mets-toi devant. Vas-y. Ah, là, dans ta boîte, il y a une cigale, t'as vu? Approche-toi pour voir. Approche-toi. Approche la boîte. Approche la boîte. Attends, ça change d'insecte, non? Moi, ça change. Ah, c'est une montre-religieuse. C'est génial, j'adore. Il y a une migale. Là, il y a un escargot. Scorpion, et moi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Yeah. Ah, ça change à chaque fois. En fait, il faut tourner la boîte pour que ça change. Oh, il y a la fourmi. T'as vu? Tu sens? Ici, ça sent le miel. C'est de la vraie. C'est des vraies nids d'abeilles. Et oui, elle fabrique le miel dedans ça. Regarde comme c'est mou comme de la. C'est mou comme du miel, t'as vu? Regarde, tu peux même entendre un. C'est trop bien. Et attention là, c'est des vrais insectes qu'il y a là-haut. Alors on fait attention, on ne touche pas, on ne met pas les pieds sur les vitres. D'accord? Ah mais en fait c'est des insectes qui sont tués. Oui, c'est des insectes qui sont tués. J'en ai même pas tasse de papillon là. Ça c'est mou. C'est mou, on peut se mettre pieds nus là? Non, on va mettre les pieds nus. Non, je peux pas se mettre. Alors là, oh, comme ils sont magnifiques ces papillons. Nino, regarde les... Oh, mais t'as vu celui-là comme il est gigantesque? Regarde les papillons, Nino. Les vrais papillons. Et regarde là, ça c'est les papillons de nuit. Putain, mais t'as vu comment ils ont fait pour pas les casser, pour les mettre comme ça. C'est dégueulasse. Mais non, je les ai pris dans la main. Non, mais là ils sont morts. Oh, mais t'as vu ces magnifiques papillons. Ah, mais regarde comment ils sont petits. Ils sont trop mignons. Comment ils font? T'as pas vu les bouts là? Ah oui, bah, on va le voir après. Il y en a derrière aussi, ils ont une grande collection de papillons. Et ça, c'est quoi? Alors là, pourquoi il y a ça là? C'est quoi ça? Le carabus. Oh. Grand nettoyeur de nos plages. Ah, c'est sur les plages ça. Oh, il y a tout sur les plages. Des sauterelles. Enfin, oh, les gars, j'ai plein de spécimens de sauterelles. C'est là, on en a des fausses rouges jurassiques. C'est là qu'il y a sauvages jurassiques. Énorme comme ça. Ah, ça c'est des criquets. Ah, mais t'as vu ces petites sauterelles qu'il y a? Ah, mais c'est horrible. Mais c'est même horrible. Oh là là. C'est bien, on va voir ici là. Ça, c'est des abeilles. Ah, des abeilles. C'est bien, nous les abeilles. Du coup, il faut les tuer. Nous, on est passionnés par les abeilles. Oh, il y a des petites fourmis. Oh, ils ont mis des fourmis, oh, je crois pas. Regarde, on a des minuscules. Des minuscules fourmis. C'est ça, okay. C'est un vrai insecte. Franchement, ça fait peur. C'est un scarabée. C'est un vrai, ça. Non, c'est quoi? Oh, la coquille. Oui. Mais il est énorme, ça habite dans quel pays, ça? Attends, oh, des coccinelles. Ils ont eu plein de vues des coccinelles, ils sont dégueulasses. Les noirs, il y a des noirs. Oui, non, tu vois. C'est des je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas, il y a rien. Des coléoptères. Oh, regarde. Mais franchement, celui-là, il a des cornes trop. Là, il a des cornes. Oui, il y en a bien. Non, mais regarde, tu vas me. C'est un vrai celui-là aussi? Oui, c'est un vrai. Mais c'est pas possible. Il y a des poils dessus. Comment ils font pour empailler des insectes comme ça? C'est un vrai. Mais quoi?
deuxième. Oui. Attends, bouge-toi. La plus grosse sauterelle du monde. Tadam. Là. La plus grosse sauterelle du monde. Comparée à ma main, franchement. C'est énorme. Regarde là. Ah oui, c'est horrible ça. Non, ça va bien. Hein. Ça, c'est la plus grosse sauterelle du monde. Attends, c'est le film de scarabée là. Franchement, ça, c'est magnifique. C'était le corps. On est sorti de Insectorama, donc c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu court comme exposition. C'est gratuit pour les moins de 26 ans et sinon c'est 3 euros. Donc ça dure jusqu'à fin octobre. C'est à côté du musée de Nîmes. Donc là, on va rentrer au musée qui est gratuit celui-là. C'est le musée qui est musée d'histoire naturelle, le classique quoi, le musée de. Voilà. Les gens, ils me regardent trop chelou quand je filme avec ça. Les gens, ils me regardent trop chelou, non. Ça m'a arrivé. Du coup, j'ai refait. C'est nier les cartes. Les gens, ils me regardent trop chelou. Oui. Attends, je sais pas si c'est gratuit, d'un coup. Commence pas à toucher tout. Non, on ne peut pas. On n'a pas les temps. Tu vas le faire enlever. Donc là, nous sommes dans le musée où. Alors, les enfants, qu'est-ce que c'est tout ça? Ça, c'est la société. Ce qu'on a trouvé sur les papiers. J'aime bien cette ambiance de musée. Tu sais, de. Ça fait peur quand même, cher. Nous, regarde les masques. Afrique-moi. Ça, c'est quoi? J'ai la mine. Tu te rappelles, moi j'avais pris une photo de toi, t'avais 2 ans et demi, t'avais une poubelle. Je trouve que c'est kitsch quand même ce musée. Ça veut dire quoi? C'est vieux pour les animaux en paillis. Mais pourquoi ils ouvrent tous la bouche? Eux ils ont un paillet en chat. Ils ont un paillet en chat. Ouna, ton avis, ils ont un paillet en chat. Non, je crois que c'est un chat sauvage. Ah non, chat domestique. C'est Mimi, il l'a employé. Et où là, toi, c'est le squelette du chat. T'as vu? J'espère qu'ils n'ont pas payé un chien. Oui, on a payé un chien. Regarde. Oh, la hyène, elle est trop belle. Ça, c'est maman. Ça, c'est lui. Ça, c'est papa. Ça, c'est qui? Ça, c'est à nous avant, longtemps avant la préhistoire, tu vois, quand on a commencé à se mettre debout, tu vois. Oh là, on n'avait pas encore les pieds, les mains et les pieds pareils, tu vois. À la place des pieds, t'avais des mains encore. Donc ça, c'est nous avant, après. Avant. Et ça, après. C'est qui? Ça, c'est pas un orang-outan ou squelette d'orang-outan, tu vois, maman, elle avait deviné. Juste à la position et à la gueule. Allez, maman. Quoi, allez, maman? Et ça, c'est le règne du Père Noël. Il n'existe pas. C'est trop beau, Père Noël. Il est beau. C'est grand, il n'a plus des comme ça. J'espère qu'ils ont pas eu un chien. Non, ils ont pas eu un chien. C'est un petit chien. Nino, il est ici. Nino, il est chez lui ici. Oh, ils ont pas eu un petit cheval. Oh, non. Cheval de Camargue, très jeune en plus. Ils sont dégueulasses ici. En plus, ils ont pas eu un chien. Ça, vous savez ce que c'est ça? C'est pas une baleine? C'est une baleine ça. Ils ont pas eu une baleine? Mais non, ils ont pas un paillet, c'est un squelette, tu vois pas? Ouais, c'est un squelette de baleine. Et c'est passé. Oh, ils ont un paillet Bambi. Oh non! C'est dégueulasse. Mais ils ont même un paillet en chat. Ils ont un paillet toute la famille de Bambi, regarde. Ouais. Oh, ils ont un paillet Skipper. Oh, j'ai peur, le dauphin. Il est trop. Mais c'est un. Oh, le petit dauphin potable, il est trop mignon. Mais c'est pas un vrai dauphin, non, ça. Non, c'est pas un vrai dauphin, c'est un dauphin quand même. Hein. Alors là, les taureaux, ils ont mis. Enfin, les bisons, ils ont mis dans une bouche, je sais pas pourquoi. Et la vache là-bas. Regarde, c'est ça, un crabe. L'ours polaire qui est tout blanc. Il est un peu jaune. Ils l'ont paillé ça, comment ça, ils l'ont paillé? Alors ça, ça fait trop peur, ce petit chien. C'est dégueulasse. Les hérissons, t'as vu les hérissons qu'on a dans le jardin, ils l'ont empaillé, regarde. Mais en fait, ils ont dû empailler ici, on quelle l'a taille, là, le hérisson dans le jardin, il est comme ça, cette taille-là. Ouais. Le pauvre, ils ont empaillé le nôtre.
Mais pourquoi ils ont mis dans cette position? Ah, c'est bougé. Tu m'en fais trop peur, arrête, s'il te plaît. Et puis. Ils m'ont mis une banane. Ils ont refait le dessin comme ils faisaient avant, tu sais. On dirait le dessin de Nino. Là. Nino, c'est toi qui as dessiné là-haut. Nino, c'est toi qui as dessiné là-haut. Non, moi c'était pas allé. Ah, c'était pas toi alors. Ils sont en paille animée. Ça c'est nous, mais avant, si t'étais né en moins de 20 minutes, tu serais comme ça. Hé, hey, Nino. Nino, fais pas ça. On a mangé, alors on va aller à la maison.